Prions ensemble. Notre Père céleste, nous te remercions pour tout ce que tu as pour chacun de nous. Nous te remercions pour les grandes choses que tu feras dans chaque vie. Nous demandons, Seigneur, que tu fasses déverser ta bénédiction sur chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Nous demandons pour chaque frère, pour chaque sœur, pour chaque membre et chaque invité que ta bénédiction abonde dans chaque vie au nom puissant de Jésus-Christ. Pour les enfants, les jeunes, les pères, les mères, les ouvriers, ceux qui sont sur le campus, les pasteurs, je prie que l'abondance du ciel soit accordée à tout le monde au nom de Jésus-Christ. Nous prions que l'attente du peuple de Dieu soit assouvie et que tu accomplisses les désirs et les aspirations et les prières de ton peuple, même en cette nuit au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Cette nuit, nous parlons de la croix qui supprime notre malédiction. La croix, le calvaire, la crucifixion, la croix. Comment il a livré sa vie à la croix. La mort qui a passé, qui est morte pour nous. La mort de substitution qu'il a eu pour nous délivrer. La croix qui supprime notre malédiction. La croix commençait et au temps de la chute. On voit Genèse chapitre 3 verset 15. Vous allez voir que depuis Genèse 3, le Seigneur, le Dieu le Père, a parlé de la crucifixion de Christ et l'objectif de cette crucifixion et à la fin de cette crucifixion, le résultat, ce qui va s'ensuivre et les avantages au Fils de l'homme, à l'humanité entière, la crucifixion de Jésus, ce que cela va nous donner. Genèse 3, verset 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, parlant de Satan qui est représenté par Satan, et entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu le blesseras le talon. C'est la prophétie au sujet de la crucifixion de Christ. C'est la prédiction sur la crucifixion de Christ. Le Père attendait l'heure où son fils bien-aimé viendra. Il est appelé la postérité de la femme. Satan lui blessera le talon. Cela se réfère à la crucifixion. L'autre résultat est que le Seigneur Jésus, par cette mort, par cette crucifixion, écrasera la tête du diable, écrasera, détruira toutes les œuvres du diable. Par la crucifixion, tous les jours seront brisés, vos jours sont brisés, toutes les malédictions ôtées, que la malédiction de votre vie soit ôtée au nom de Jésus-Christ. C'est à cause de ce que Jésus a fait à la croix du calvaire. Ésaïe chapitre 53 verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Cela parle encore de comment le Seigneur est mort pour nous et non pour lui-même. Comment il a porté notre châtiment. Il n'a pas de péché châtiment à porter. C'est la mort qui nous attend que Jésus a pris sur lui. Et c'est l'opprobre qui devait venir sur nous que Christ a reçu sur lui. C'est le châtiment, la punition que nous devons avoir que Jésus, la punition sur nous, Jésus l'a pris. Et Isaïe a dit que cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Quoique Esaïe soit arrivé et 700 ans après Christ, il a vu venir de très loin que ce sera fait. À cause de cela, il a dit comme cela a déjà eu, que certainement que lui Christ, le crucifié, lui Christ, celui qui a porté nos châtiments à la croix, c'est-à-dire cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses blessures, dites-moi, que nous sommes guéris. Toutes les malédictions, il a tout porté. Il a porté toutes les maladies.
Il a porté toute la honte, tout l'opprobre. Il a porté toute l'angoisse. Il a porté toute la punition, toute la condamnation. Il a porté toutes les choses négatives que vous devez, qu'on doit avoir à cause du péché. Christ a tout porté. La Bible a dit que sans aucune ombre de doute, voici ce que Christ a fait. Je prie que vous receviez les avantages de cela même cette nuit au nom de Jésus. Il va ôter votre condamnation, il ôtera le châtiment, il ôtera la douleur, les infirmités, les maladies. Cette nuit, il vous affranchira complètement au nom de Jésus-Christ. Voilà le verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. La croix qui supprime notre malédiction. La crucifixion qui supprime notre malédiction. La mort de Christ à la croix de Calvaire qui supprime notre malédiction. L'œuvre de substitution et d'expiation de Christ qui supprime notre malédiction. Nous allons voir trois points. Numéro un, la rédemption et l'affranchissement. La rédemption et l'affranchissement par le Christ crucifié. Le Seigneur nous a donné la rédemption, la pleine rédemption, la rédemption totale. Il nous a aussi affranchis de la malédiction de la loi. La rédemption et l'affranchissement par le Christ crucifié. 2. La repentance et l'enlèvement de notre malédiction. Cette nuit, tous les jours et malédictions sont ôtés au nom de Jésus-Christ. La repentance et l'enlèvement de notre malédiction. La repentance, c'est le fait de se détourner de tout ce qui amènera le jugement de Dieu. Se détourner de toutes les choses mauvaises que nous nous attirons, le mauvais comportement, la mauvaise conduite, le mal, la mauvaise conduite, la transgression, le péché, l'iniquité. Alors il faut vous en détourner et vous repentir. Quand on se repent comme ça, le Seigneur Jésus, dans sa puissance, à cause de l'expiation de ce qu'il a fait à la croix de Calvaire, il ôte, il enlève même la malédiction. Cette nuit, ce sera la nuit là dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Troisième point. Le pardon et la justice. Le pardon, c'est la rémission. Il nous pardonne. Il nous absout qu'il ne se rappelle plus ce péché-là. Et l'accusation du diable tombe à terre parce que le Seigneur dit qu'il ne s'en souvient plus. Et il au-dessous, c'est basé sur la croix, la rémission ou le pardon et la justice à travers sa croix. La rémission de vos péchés, le pardon de vos péchés, le pardon et la justice de Christ à travers sa croix. Nous allons au premier point qui est la rédemption et l'affranchissement par le Christ crucifié. Voyons Galates 3. Galates chapitre 3, verset Galates 3, verset 13 et 14. Galates 3, verset 13 et 14. Ici nous voyons la grande œuvre du Seigneur Jésus-Christ, le résultat de cela, la conséquence de cela, le prix qu'il a payé pour votre rédemption et le prix qu'il a payé pour votre affranchissement total. Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il y a beaucoup de choses ici. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Quand c'est dit la malédiction de la loi est brisée, enfreinte, violée. Dieu a donné la loi à Adam et il a violé à cause de cela. La malédiction est venue sur eux. Et nous sommes ses descendants. Nous avons hérité de cette malédiction de nos ancêtres. Et Jésus, dès que Jésus était mort à la croix de Calvaire, il nous a affranchis de cette loi. Il nous a délivré de la malédiction de cette loi. Et quand vous croyez au Seigneur cette nuit, vous serez
totalement affranchi au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'il a appelé les enfants d'Israël, il leur a donné des lois. Il leur avait dit qu'il y a l'amende, la pénalité, le châtiment lorsqu'on viole la loi. Et tous les châtiments sont et les punitions deviennent un malheur sur eux. C'est la malédiction sur eux quand ils violent cette loi. Mais Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Voyez cela, c'est à cause de la mort de Jésus, à cause de l'expiation. Vous pouvez dire gloire à Dieu, je crois au Seigneur Jésus. Parce que je crois au Seigneur Jésus-Christ, toutes mes malédictions, la malédiction venant depuis le temps d'Adam et Ève et depuis le temps des enfants d'Israël est ôtée. Non seulement ça, si vous vous affiliez à un groupe, à une société, et ils ont fait leur loi, que si tu contraviens ceci, que tu seras puni depuis que tu as violé cela, tu as vu les conséquences néfastes de cette alliance dans votre vie. Mais cette nuit, cela sera brisé. Ou bien ce sont les parents qui sont allés quelque part et disent que ceci c'est pour vos enfants, c'est pour les descendants, on ne connaît rien. Et puis la malédiction est venu. Dieu merci, vous êtes là cette nuit. Je dis Dieu merci, vous êtes là cette nuit. Parce que tout sera brisé dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Parce que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous, car il est dit maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Lorsque la croix est ôtée, il n'y a point de vide. La bénédiction viendra remplacer la croix dans ma vie, dans votre vie, dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Vous allez recevoir quelque chose cette nuit. Et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Nous allons recevoir la bénédiction d'Abraham. C'est dit là-bas que nous avons la rédemption au travers de Jésus-Christ, au travers de son expiation dans la rédemption, et au travers de son sacrifice et le sang versé, nous avons la rédemption. Éphésiens 1, verset 7. Éphésiens 1, 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Par son sang. C'est-à-dire, par le sang qui a été versé avant qu'il ne meure. Et il ne pouvait pas verser son sang. Mais lorsqu'il a versé son sang et lorsqu'il est mort, lorsqu'il a répandu, versé son sang pour vous, pour moi, à cause de ce sang versé à la crucifixion, la mort, l'expiation, la rédemption, à cause du sang versé, c'est dit en lui, nous avons la rédemption. Ce n'est pas que nous l'aurons dans le futur, nous l'avons déjà et vous l'aurez aujourd'hui. Je dis, vous l'aurez aujourd'hui. Je sais que vous serez en mesure de dire gloire à Dieu, Jésus est mort pour moi, Jésus a ôté mes péchés, Jésus a ôté ma culpabilité. Et c'est dit que nous avons la rédemption par son sang. Ce n'est pas au travers de nos efforts ou par notre sacrifice ou par le fait de par nos aumônes faites aux mendiants ou bien par les religions. Ou bien les rituels religieux, oui, certains croient que oui, on sera en mesure d'être la percée. Non, est-ce que nos larmes couleront pour toujours et mon zèle ne peut rien offrir? Seulement, c'est toi qui sauves. Le rôle des âges, que je me réfugie en toi. Il faut l'expiation de Jésus pour nous donner ces avantages. Ce n'est pas comment vous vous sentez, ce n'est pas ce que vous avez fait, mais que vous n'avez fait. C'est au travers du sang de Jésus-Christ et c'est dit, même la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Vous l'aurez aujourd'hui. Colossiens, c'est très important. Colossiens 1, 13. Remarquez bien ce qui est dit ici. Nous parlons de la croix qui supprime la malédiction. Toute malédiction est toujours. Toute oppression du diable, de l'ennemi. Tout confinement, tout, tout,
tout emprisonnement de l'ennemi, tout est brisé au travers du sang qui est versé pour nous. Colossiens 1, 13. Qui nous a délivrés? Qui nous a délivrés? L'a-t-il fait? Je dis, l'a-t-il fait? Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. De la puissance des ténèbres. Ces gens-là qui se cachent derrière le rideau dans un couvent noir, ils essaient de jeter le sort sur vous. Nous en sommes délivrés. Je dis, je suis délivré de cela. C'est dit qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Dans le royaume du Fils de son amour, il n'y a pas de joug, je n'ai pas de joug. Dans le royaume du Fils de son amour, il n'y a pas de malédiction, je ne suis pas maudit. Dans le royaume du Fils de son amour, il n'y a pas d'oppression satanique, je n'ai pas d'oppression. Vous n'aurez pas d'oppression au nom de Jésus-Christ. Que je vous l'illustre maintenant. C'est comme vous êtes dans un pays donné et il y a les gens, les autorités, les puissances des ténèbres, les puissances territoriales, les puissances océaniques, les puissances, quelles que soient, les puissances communes, les puissances de n'importe quel niveau vous poursuivent. Et vous avez maintenant votre passeport et vous avez votre visa pour voyager ailleurs. Et ces gens ne peuvent pas vous voir, vous êtes dans l'autre pays. Alors, vous êtes, leur autorité se limite à leur pays. Alors, vous êtes maintenant dans un autre pays. Dans l'autre pays étranger, ils n'ont pas de visa pour aller là-bas. Ils n'ont pas d'avion pour aller là-bas. Dans l'autre pays là-bas, vous êtes totalement libéré comme un oiseau qui vole dans l'air. Vous êtes totalement libéré, totalement affranchi. Lorsque vous étiez dans le royaume des ténèbres, lorsque vous étiez dans le royaume du diable, alors la puissance de l'ennemi est là, il en avait, et il pouvait vous opprimer, vous donner des problèmes mentaux, il pouvait vous donner la maladie, il pouvait infliger des souffrances à votre famille, mais Dieu merci, je dis gloire au Seigneur. Alors il vous a délivré de la puissance des ténèbres. Dites à la personne à côté de vous, il m'a délivré. Est-ce que c'est ainsi que vous allez le dire? Il m'a délivré. Et il vous a transporté. Il vous a transporté du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Pourrais-je vous rappeler que lorsque Dieu a délivré les enfants d'Israël d'Égypte, c'est de la puissance des ténèbres. Il les a transportés. Ils ont traversé la mer Rouge. Aucun Égyptien ne pouvait suivre les enfants d'Israël pour traverser la mer Rouge. La même chose, il a fait pour vous. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et c'est dit, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Je l'ai reçu. Je l'ai reçu. Ce sera votre au nom de Jésus-Christ. Cette nuit, toutes les pressions, tous les problèmes, comme vous allez vous lever, lorsque nous allons prier, tout tombera à terre. Toutes les malédictions, tous les jours, les choses que vous voyez, le jour et la nuit, lorsque vous allez vous mettre debout, vous allez dire, gloire à Dieu, je suis délivré de la puissance des ténèbres et m'a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Toutes choses vous quittera au nom de Jésus-Christ. Il nous dit en Éphésiens 2, verset 14. Éphésiens 2, 14. Voici ce que le Seigneur nous dit. Car il est notre paix. Lui, Jésus, est notre paix. Lui, celui qui est crucifié, est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. Qu'est-ce que cela veut dire? Lui qui des deux n'en a fait qu'un. Ce qu'il a dit, c'est que entre les Juifs et les païens, il y a des privilèges que les Juifs en avaient que les païens n'en avaient pas.
Il y a des promesses que les Juifs avaient et les païens n'en avaient pas. Mais Jésus est mort à la croix de Calvaire. Alors, il a unifié tout. Ce qui appartient aux Juifs appartient aux païens, non seulement ça, les hommes et les femmes. Dans les vieux jours, ouais, il y a des choses que, même dans l'Ancien Testament, il y a des choses que les hommes avaient, que les femmes n'avaient pas. Mais maintenant, les hommes et les femmes, il nous a unifiés afin que tous les privilèges appartenant aux hommes sont aussi aux femmes. Oui, dans les anciens temps, il y a des privilèges qui appartenaient aux pères, aux parents et aux grandes personnes qui n'appartenaient pas aux enfants. Mais tout ce que les gens ont, vous pouvez avoir pour vous aussi. Et voyons ici. Et il y avait un grand intervalle entre les Lévites, les enfants d'Israël, et on dit que ça, voici le clergé. Alors, voici les laïcs, voici ce qu'ils peuvent avoir. Il y a le clergé et les laïcs, les ministres et les membres. Christ a unifié tout. Ce que j'ai, vous pouvez l'avoir. Ce que les autres ont, vous pouvez en avoir. Il n'y a pas de limite à la bénédiction venant sur vous cette nuit au nom de Jésus-Christ. Vous êtes là. Est-ce que vous en aurez? Vous en avez déjà au nom de Jésus-Christ. Que je vous le lise encore, verset 14. Car il est notre Père. Car il est notre Père. Votre Père, le diable, ne la ravira pas. Votre Père, rien de cette terre ne vous l'ôtera au nom de Jésus-Christ. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. L'inimitié ayant anéanti par sa chair, la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, par la croix, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Une inimitié, une haine entre toi et eux, le Dieu Tout-Puissant, parce que à cause de tes péchés passés, il supprime les péchés et l'inimitié, et tu es réconcilié avec Dieu. Et il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Et ceux qui étaient loin, c'était les païens. Et ceux qui étaient prêts, c'est les Juifs. Car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Dieu merci, cela vous est déjà arrivé. Maintenant, nous allons à Jérémie. Vous devez voir ceci. Jérémie, chapitre 15. Voyons verset 20. Vous êtes délivrés. Je dis, vous êtes délivré, vous êtes affranchi. Tous ces pouvoirs des ténèbres, tous ces jours sont brisés à cause du calvaire dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Jérémie 15, verset 20. Je te rendrai pour ce peuple une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver, te délivrer. Dieu a dit ceci dans le futur parce que Christ n'était pas là, mais Christ est venu. Emmanuel est venu. Emmanuel est Dieu avec nous. Dieu avec vous. Je dis Dieu avec vous. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde au nom de Jésus-Christ. Et car je serai avec toi pour te sauver, te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants. On peut se réjouir de ce fait. Je te délivrerai de la main des méchants. Cela fait que l'enfant de Dieu peut crier autour de la muraille de Jéricho. Cela peut nous faire célébrer parce que les puissances des ténèbres sont brisées dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Je te sauverai de la main des violents. Je te sauverai de la main des violents. Les violents n'ont plus d'emprise sur votre vie. Parce qu'auparavant, ils viennent vous dire que me voici, je suis monsieur le violent. Je dis, gloire à Dieu, si tu es monsieur le violent,
je ne suis plus sous ton autorité, je suis déjà délivré. Vous êtes délivré le jour, vous êtes délivré la nuit, et quel que soit leur nom, monsieur terreur, terroriste, monsieur terrible, monsieur violent, monsieur méchant, monsieur Satan, qui qu'il soit, vous êtes affranchi au nom de Jésus-Christ. Jérémie 31, je lis verset 11. Jérémie 31, verset 11. C'est dit, car l'Éternel rachète Jacob, il le délivre de la main d'un plus fort que lui. D'un plus fort que lui. Ces gens qui sont plus forts que vous, qui étaient plus forts que vous dans le passé, ils vous opprimaient, ils vous rendaient malade, ils vous opprimaient. Maintenant, vous êtes plus fort que tous. Ils n'ont plus de force, de pouvoir, d'emprise, d'autorité sur votre vie. Parce que c'est dit que l'Éternel rachète Jacob. Il te délivre de la main d'un plus fort que toi. Gloire à Dieu. Deuxième point maintenant, la repentance et l'enlèvement de la malédiction. Il y a quelque chose à faire. Vous avez quelque chose à faire. Lorsque vous jouez votre rôle, c'est très simple. C'est comme autour de vous, il y a de mauvaises choses autour de vous, quelques oppressions, quelques maladies là-bas. Disons que tu les mortifies, rendez-les comme choses tangibles, que vous les prenez, vous levez et vous sortez de là. Vous levez, vous les abandonnez, c'est la repentance. Disons que voici la maladie ou bien le péché qui vous empêche, qui attire la malédiction, l'oppression, les douleurs, les maladies sur votre vie. Donc il faut vous lever et vous en aller. Vous levez, vous en allez. Alors quand vous levez, vous en allez, alors vous en êtes affranchi. Je dis, vous en êtes affranchi. Vous marchez à la liberté. Vous marchez à la délivrance. Vous marchez à la liberté. Vous marchez à la délivrance totale, à la domination complète au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens, parfois, nous devons user de notre intelligence commune. Il y a des gens qui voient l'oppression, le feu brûle là-bas, mais ils restent là-bas. Et ils disent que, oui, j'ai été, que je suis opprimé. Mais lève-toi, je suis tourmenté, lève-toi. Je fais face à des défis, lève-toi. Ils ne vont pas me permettre de faire ceci. Lève-toi, lève-toi et va-t'en. Alors vous allez marcher à votre liberté, cette nuit au nom de Jésus-Christ. C'est ce que signifie la repentance. Vous vous détournez du mal. Le Seigneur vous attend déjà. Alors c'est ce qu'a fait le fils perdu, le fils prodigue. Et s'il est demeuré dans cette faim, dans cette pénurie, dans cette privation, dans cette atmosphère, dans la communion là, dans ce mal, il dit que oui, je suis privé de mes droits, je meurs de faim, on me détruit ici, ma vie n'est pas ce qu'elle doit être. Donc lève-toi. C'est ce qu'il a fait, il dit que je me lèverai et j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, et j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Il n'y avait même pas pensé, il s'est levé et allé vers son père. Dès qu'il s'est levé et a quitté le pays lointain, là, tout a changé dans sa vie. Je vous dis cette nuit que tout changera dans votre vie, comme vous décidez. Et vous dites, Seigneur, je sais, je connais la réponse, la solution, je connais ma liberté, mon affranchissement, tout est là, tout ce qu'il me faut faire, c'est de me lever, m'en aller. Et le Seigneur vous affranchira complètement au nom de Jésus-Christ. Toutes les chaînes qui vous lient seront brisées. Les fers qui vous ligotent seront brisés au nom de Jésus-Christ. Voyons, Ézéchiel chapitre 18. Ézéchiel chapitre 18, faut plus vous plaindre. Tout ce qu'il vous faut faire, c'est de vous lever et vous en aller et tout ira bien pour vous. Je dis, tout ira bien pour vous. Ézéchiel chapitre 18, verset 30. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Revenez, détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rien ne vous ruinera. Satan ne vous ruinera pas. Les démons ne vous ruineront pas. Votre iniquité ne vous ruinera pas au nom de Jésus-Christ.
que revenez, détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Je ne mourrai pas. Je dis, moi, je ne mourrai pas. Vous savez, vous ne devez pas mourir dans le péché. Vous ne devez pas mourir dans le camp du diable. Vous pouvez vous lever, vous en aller, et le diable ne peut plus vous retenir au nom de Jésus-Christ. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc, voici cela. Convertissez-vous donc et vivez, vous allez vivre. Voyons, Proverbe 3, 33, vous allez décider maintenant, y a-t-il une servitude et, ou bien et le jour là qui vous lie est brisé, tout emprisonnement satanique dans lequel vous vous trouvez. Vous avez fait alliance avec le diable, vous êtes dans ce mal, tout est brisé cette nuit au nom de Jésus. Proverbe 3, 33. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. La malédiction de l'Éternel est dans la main du méchant. Peut-être que vous êtes dans la main du méchant vous-même et la malédiction est là. Cela ne vous appartient pas, mais ça appartient au méchant parce que vous êtes dans la maison du méchant et c'est dit, mais... Et bénit la demeure des justes. Lorsque vous sortez de la méchanceté, que vous venez à la justification par le Seigneur Jésus-Christ, les bénédictions sur bénédictions déborderont dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Proverbe 26. Si vous avez un bic là-bas, il faut souligner ceci. Il faut souligner ce verset. Dès que vous le soulignez et que vous le mémorisiez et que vous l'assimiliez dans votre cœur, le diable ne va pas vous déranger avec la malédiction au nom de Jésus-Christ. Rappelez-vous, avant que vous ne veniez à Christ, la malédiction était là. La malédiction qui était venue sur Adam et Ève est venue sur toute sa descendance. Avant que vous ne veniez à Christ, toute la malédiction de la loi brisée en Deutéronome 28, la malédiction était là. Mais lorsque vous en êtes sorti et que vous êtes venu à Christ, toute la malédiction de Deutéronome, de Nombre, toute la malédiction de Lévitique, toute la malédiction en Genèse et Exode, dès que vous venez à Christ, toutes ces malédictions soient ôtées au nom de Jésus-Christ. Donc, quand on voit la Bible, vous allez voir des malédictions en Josué, des malédictions en Juge et des malédictions dans l'Ancien Testament. Mais comme vous laissez les péchés derrière vous et vous venez à Jésus-Christ, toutes les malédictions sont ôtées, seront ôtées au nom de Jésus-Christ. De Genèse à Deutéronome, pour venir à Josué, Juge, Malachie, tous les lieux, vous allez voir des malédictions. Même dans votre village, dans votre ville, même dans votre quartier, votre vie passée, votre famille étendue, votre famille collatérale. Et quand vous quittez tout seul, vous êtes venu à Christ, toutes les malédictions sont ôtées. Toute la malédiction est ôtée de votre vie au nom de Jésus-Christ. Maintenant, il y a la mer rouge qui vous divise de l'ancienne vie. Alors, toutes les malédictions de l'ancienne vie sont à l'autre côté. Vous êtes à ce côté. Il y a un gouffre entre vous. Les malédictions ne vont plus encore traverser le gouffre pour venir à vous au nom puissant de Jésus-Christ. Proverbe 26, 2, c'est ce que vous allez souligner. Proverbe 26, verset 2. Comme l'oiseau s'échappe et comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. La malédiction sans cause n'a point d'effet. Je suis passé à l'autre bord de la terre promise. La malédiction sans cause n'a point d'effet. Je suis identifié à Christ. Il est mort pour moi. Il a versé son sang pour moi à la croix de Calvaire. La malédiction sans cause n'a point d'effet. J'ai quitté l'Égypte et que les Amoriens, les Cananéens, les païens, et je suis à côté du Seigneur, je suis avec le corps de Christ. Parce que je suis dans le corps de Christ, la malédiction sans cause n'a point d'effet au nom de Jésus-Christ. Il m'a délivré des puissances des ténèbres et m'a transporté dans le royaume du Fils de son amour.
parce que je suis transporté et je suis à ce côté, je suis dans le royaume de lumière, dans le royaume de puissance, je suis purifié par le sang de l'agneau, par le sang de Christ. La malédiction sans cause n'a point d'effet au nom de Jésus-Christ. Mon corps est maintenant le temple du Saint-Esprit parce qu'il vit en moi. Et si l'Esprit qui ressuscite Jésus-Christ des morts demeure dans votre corps mortel, donnera vie à votre corps mortel parce que je suis le temple du Saint-Esprit, la malédiction sans cause n'aura pas d'effet. Je dis, cela sera sans cause. Cela n'aura pas d'effet. Cela ne viendra pas sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Voyons le verset 2 encore. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Voici ce qui est dit ici. Comme l'oiseau s'envole. L'oiseau était dans ce filet au départ. Et toutes les choses, parce que l'oiseau était pris par le filet, maintenant, l'oiseau maintenant s'échappe et s'envole. Et alors, et comme l'oiseau s'est envolé, le filet est abandonné. Donc, ça veut dire que vous êtes sorti des choses des ténèbres. Alors, tout est maintenant du passé. Les choses des ténèbres ne seront plus dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Je viens vous dire que votre tête est affranchie de toute malédiction. Votre corps est affranchi de toute malédiction. Vos rêves sont affranchis de toute malédiction. Vos enfants sont affranchis de toute malédiction. Vos enfants sont affranchis de toute malédiction. Votre mari est affranchi de toute malédiction. L'œuvre de votre main. Vos affaires sont affranchies de toute malédiction au nom de Jésus-Christ. Vous allez sortir de ce lieu affranchi et le Seigneur vous affranchira au nom de Jésus-Christ. J'aime ce verset. Et comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Cela n'aura pas d'effet. Il dit, cela n'aura pas d'effet. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19. Actes 3, verset 19. Repentez-vous donc. Tout ce que je dois faire afin d'être affranchi du péché, c'est de me repentir. Repentez-vous donc. Si c'est tout ce que je dois faire, c'est de quitter Satan et courir vers Jésus. Repentez-vous donc. Si tout ce que je dois faire, c'est de me séparer de mon passé et de m'attacher à l'amant de mon âme, à l'époux de mon âme et de venir m'attacher au Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que je dois faire, c'est de me séparer du passé pour venir à cette nouvelle vie et tout deviendra nouveau dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Les miracles jamais vus, vous les verrez. Les merveilles que vous n'avez jamais vues, vous allez les écouter au nom de Jésus-Christ. Et tout ce que Dieu attend, c'est que les choses du passé, que vous les abandonniez et que vous dites que je ne suis plus dans le passé, je vais vers le futur, voici mon héritage. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur pour vous au nom de Jésus-Christ. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Il y aura le rétablissement, il y aura la restauration, il y aura le rétablissement de toutes choses. Tout cela viendra dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Ce que vous avez perdu, tout cela viendra à vous. L'enfant que vous avez perdu, vous aurez vos enfants, miracle au nom de Jésus-Christ. Toutes bonnes choses que vous avez perdues, les bonnes choses que vous avez perdues, ces choses reviendront dans votre vie au nom de Jésus-Christ. La joie, la satisfaction, la liberté, la prospérité, les bonnes choses qui feront votre visage briller viendront. Parce qu'il y aura le rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement,
par la bouche de ces saints prophètes. 26. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Cela va se produire. Voyons 2 Corinthiens chapitre 6. Voici le pas simple à faire. Voici la chose simple à faire. Et puis les bénédictions vont venir sur votre vie. Vous êtes là? Je dis, les bénédictions viendront sur votre vie. 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. C'est-à-dire que les gens ne vont pas comprendre cela. Tout ce qu'ils croient, c'est que, d'accord, je suis né de nouveau. À cause de cela, je ne dois pas me marier à un incroyant. Oui, c'est vrai, vous ne devez pas vous marier à un incroyant, à une incroyante. C'est vrai. Mais ça peut que cela. Il y a des jeunes arrivés au collège. Il y a des incroyants là-bas qui vont former un groupe, une secte là-bas. Parce que quelqu'un a pris soin d'eux, quelqu'un fait amitié avec eux, ils n'ont pas compris que tu ne dois pas être sous le joug, un joug étranger avec les incroyants. Un type de groupe, un type de sexe, de secte, une assemblée qui regroupe les incroyants. Et alors, ils t'attirent à faire une alliance pour que tu en fasses partie. Tu ne peux pas faire cela parce que tu es maintenant transporté. C'est comme Moïse retourne à l'Égypte pour dire que Pharaon, je suis revenu. Vous n'allez pas revenir. C'est comme Aaron et Marie qui retournent en Égypte pour dire que nous sommes revenus. Vous n'allez pas retourner au monde au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont délivrés d'Égypte et qui ont traversé la mer Rouge, vous êtes baptisés d'eau selon votre cas. Vous n'allez pas retourner, vous n'allez pas traverser la mer Rouge pour retourner en Égypte. Cela ne vous arrivera pas. Lorsqu'un enfant de Dieu s'en va s'allier avec Akab, avec Pharaon, avec les incroyants, c'est ce que le Seigneur dit. Le joug est brisé et le joug-là ne sera plus sur votre vie au nom de Jésus-Christ. C'est dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Vous ne serez pas sous un joug étranger avec eux dans les affaires. Vous ne serez pas sous un joug étranger avec eux dans les affaires, dans l'alliance, dans le mariage. Vous n'allez pas vous allier avec eux dans une association donnée, dans un accord donné. C'est dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? La justice et l'iniquité ne doivent pas s'allier ensemble, ne doit pas se mettre dans un même groupe, ne doit pas être dans une société, ça ne doit jamais être. Et c'est dit, où qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Vous étiez sous la puissance des ténèbres, maintenant vous êtes amené dans le royaume du Fils de son amour, le royaume de lumière, vous n'allez plus retourner à eux. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel part a le fidèle avec la fidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Il faut dire, je suis le temple du Dieu vivant. Il faut le dire encore. Je suis le temple du Dieu vivant. Encore, je suis le temple du Dieu vivant. Maintenant, si vous avez une maison, si vous n'avez pas encore de maison, je le déclare que vous aurez votre propre maison. Disons que vous avez une maison, et comme je le dis, alors vous avez trouvé quelqu'un qui vient de dehors. Vous ne l'avez pas employé, il commençait à ouvrir la fenêtre, et vous croisez les bras, et il commence à défoncer la porte, et vous ne dites rien. Est-ce qu'il commence à ôter le toit? Est-ce que vous allez lui permettre ça? Si vous êtes le temple, le temple de Dieu, et Satan veut venir vous infliger du cancer, de la tuberculose, et des problèmes mentaux, le diable veut ôter vos reins. Est-ce que Jésus va permettre cela? Le Seigneur Jésus va briser la tête du diable et que ne touche pas mon temple. Ça, c'est mon temple. C'est pourquoi je suis venu vous dire cette nuit que tout ce que le diable est venu mettre sur ce temple que je regarde maintenant, toutes ces choses-là, je les enlève au nom de Jésus-Christ. Ils ne vont pas rester. Je dis, ils ne vont pas rester. Parce que cette nuit,
c'est la nuit où le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu, sera totalement affranchi au nom de Jésus-Christ. C'est dit, et vous êtes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, 17, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et je dis Amen, Amen. Allons au troisième point maintenant. Troisième point. Le pardon et la justice à travers sa croix. Le pardon et la justice à travers sa croix. Allons à Matthieu 26, verset 28. Matthieu 26, nous lisons verset 28. 28 dit, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Et si vous croyez à cela, vous faites partie de plusieurs. Si vous acceptez, vous faites partie de plusieurs. Si vous dites Seigneur Jésus, je te remercie, tu es mort pour moi, vous faites partie de plusieurs. Et c'est dit, pour la rémission, pour le péché de plusieurs. Quelle est la différence entre la rémission des péchés et le pardon des péchés? La rémission des péchés et le pardon des péchés. Ouais, lorsque vous faites quelque chose de mauvais, et Dieu vous pardonne, vous dites gloire à Dieu, je suis pardonné. Mais si vous avez le pardon seul sans la rémission, la puissance pour vaincre la chose là dont vous êtes, la chose pardonnée ne sera pas. Le Seigneur vous a pardonné, il vous a purifié, il a purifié votre habitude, il a brisé la puissance qui la puissance du péché est dans le registre de Dieu. Alors Dieu a tout ôté. Alors si le diable vient dire que pourquoi je te réjouis, après tu n'étais pas comme ça, tu vas à Dieu, tu dis que Dieu, je suis vraiment désolé. Dieu dit mais que dis-tu? Ce que j'ai fait 2 ans passés, mais je t'avais pardonné, mais je t'ai déjà absous. Mais le diable me dit ceci et cela. Dieu dit, attends un peu que je vois mon registre. Dieu voit le registre, tu n'es pas là. Et la chose n'est pas là. Donc Dieu dit, je ne sais pas ce dont tu parles. Parce que ce n'est pas enregistré ici. C'est comme tu n'as jamais fait cela dans ta vie. Et tu peux dire au diable, diable, tu es un menteur. Pourriez-vous lui dire maintenant, diable, tu es un menteur? Est-ce qu'il vous a entendu? Diable, tu es un menteur, tu es un menteur. Le diable, il est menteur. Toutes ces choses ne sont plus dans le registre de Dieu au nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur a dit que voici le sang de l'agneau. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Gloire à Dieu. Tous mes péchés sont absous. Tous mes péchés sont ôtés. Tout est ôté. Ces péchés ne reviendront pas en souvenir au nom de Jésus-Christ. Luc 1, 74. Luc 1, 74. Luc 1, 74. De nous permettre après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis. Aucun ennemi ne peut vous attraper encore. De nous délivrer de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte. En marchant devant lui dans la sainteté, dans la justice, jusqu'à quand? Tous les jours de notre vie. Vivre un jour à la fois, vous allez demeurer juste tout le reste de votre vie au nom de Jésus-Christ. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Par le pardon de ses péchés. Alors, ces péchés ne seront plus rappelés contre vous au nom de Jésus-Christ. Romains 3, verset 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être. C'est le moyen de notre purification, de notre expiation, de notre pardon. Pour ceux qui croirait victime propitiatoire afin de montrer sa justice
parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Au temps de sa patience, afin, dis-je, Dieu merci, dorénavant vous pouvez dire gloire à Dieu, mes péchés sont pardonnés, gloire à Dieu, il y a la rémission de mes péchés, gloire à Dieu, il y a la portion, le lot du méchant ne sera plus sur moi. Je dis le la portion, le lot du méchant ne sera plus sur vous au nom de Jésus-Christ. Le lot des méchants ne sera plus sur vous. Psaume 125, psaume 125, la verge de la méchanceté ne reposera pas sur les justes. Sur la, ouais, la psaume 125, verset 3. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes. La méchanceté, l'affliction, la malédiction d'un méchant ne sera pas sur le lot des justes. La dévastation qui viendra sur les méchants ne sera pas sur vous au nom de Jésus-Christ. Psaume, chapitre 5. Quelque chose se passe déjà pour vous. Psaume 5, verset 13. Vous ne serez plus les mêmes. Car tu bénis le juste, ô Éternel. Il ne maudira jamais le juste. Il ne punira jamais le juste. Il n'opprimera jamais le juste. Il ne détruira jamais le juste. Car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Et le Seigneur vous a rendu juste par le sang de Jésus, à cause du sang que Jésus a versé pour vous. Je crois, selon la parole de Dieu, que les bénédictions viendront sur vous cette nuit au nom de Jésus-Christ. Psaume 34, je lis verset 20. Psaume 34, verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Dites-le-moi, l'Éternel l'en délivre, dites-le-moi, toujours. L'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel m'en délivre toujours. Cela est déjà arrivé. Psaume 37. Psaume 37. Psaume 37. Verset 17. Car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. Car les bras des méchants seront brisés. Je dis car les bras des méchants seront brisés. Ouais, il y a des gens qui ne comprennent pas cela. Ouais, il fut un temps où Dieu a envoyé un homme de Dieu de Baal-Juda à là où se trouvait Jéroboam. Jéroboam a dit attrapez-le. C'est ici lorsqu'il a étendu sa main comme ça, il a étendu sa main s'était séchée. Toute main étendue contre vous pour vous détruire sera coupée au nom de Jésus-Christ. Il fut un temps, David est allé au champ de bataille et les Philistins ont dit voilà l'homme. Et comme ils disaient voilà l'homme, et puis ce qu'ils ont fait, c'est que l'un de ces Philistins voudrait et frapper David et quelqu'un est venu de derrière et a coupé la main de cet homme et l'a détruit. Lorsque le méchant essaie de vous toucher, Dieu va couper sa main. Et j'aime ce verset-là, je vais encore le lire. C'est Dieu. Et la main, et les deux. Il va essayer avec les bras des méchants, les deux mains. Et il essaie ce bras, et essaie l'autre bras. Dieu va écouter les deux bras. Comment le chrétien peut être inquiet? Comment un chrétien va vivre sous le poids du malheur? Je suis malheureux, vous n'êtes pas malheureux. Je me réjouis avec vous si vous êtes croyant. Parce que quand les bras des méchants seront brisés au nom de Jésus-Christ. Mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage durera à jamais. Votre héritage sera à jamais. Ils ne sont pas confus au temps du malheur et ils sont rassasiés au jour de la famine. Je parle de quelqu'un ici aujourd'hui. Qui est la personne là? Gloire à Dieu, vous êtes cette personne juste au nom de Jésus-Christ. Psaume 55,
Psaume 55, verset 23. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Il ne vous laissera pas être chanceler au nom de Jésus-Christ. Psaume 72. Psaume, le Seigneur, au jour du Seigneur, vous allez et vous aurez la domination et d'une rive à une autre rive. Je vois. Psaume 112. Psaume 112. Psaume 112, versets 6 et 7. Psaume 112. Car il ne chancelle jamais. Il ne chancelle jamais. Vous ne serez jamais chancelés. La mémoire du juste dure toujours. Cette nuit, le Seigneur se souvient de vous. Et pour toujours, toutes les fois que vous serez devant le Seigneur, dira, voici ma fille, voici mon fils, lavé dans le sang de Jésus. Vous serez en souvenir éternel au nom de Jésus-Christ. Il ne craint point. Il ne craint point. Lui, il ne craint point. Où sont les gens là? Il ne craint point. Avez-vous peur? Je dis, craignez-vous un enfant de Dieu? Pourquoi craindre? Alors vous ne craindrez pas le diable. Vous n'aurez pas peur des puissances des ténèbres. Vous n'aurez pas peur de la malédiction qui passe. Vous n'aurez pas peur d'un jour ou d'une flèche qui vole de jour ou de nuit. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant à l'Éternel. Son cœur est ferme, confiant à l'Éternel. Votre cœur est ferme, confiant à l'Éternel. Vous allez continuer à vous fier à l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Psaume 118, verset 15. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. Des cris de triomphe. Vous allez vous réjouir. Et le salut et la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. 17. Vous allez lire cela pour vous-même. 17. 1, 2, 3, lisez. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alors, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Lisez cela encore, cela. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Maintenant, le verset 19. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Cette porte du Seigneur, voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. La porte est maintenant ouverte. Le Seigneur Jésus est mort pour vous à la croix du Calvaire. La porte de la justice est ouverte. Comme vous entrez par cette porte-là, tous vos péchés passés sont ôtés. Votre culpabilité du passé est ôtée. Tout le châtiment et tout le joug des péchés passés, tout est ôté. Et voici la porte de l'Éternel. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Tenez-vous debout et entrez. Tenez-vous debout et entrez. Rien ne vous liera. Tenez-vous debout et entrez. Laissez tous vos péchés passer derrière vous. Laissez votre passé derrière vous. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Jésus-Christ a ouvert la porte. Jésus-Christ a ouvert les portes. Jésus-Christ a ouvert les portes. Vos péchés ne doivent plus vous lier et les choses mauvaises ne doivent plus vous clouer. Le joug, la servitude, la malédiction ne doivent plus vous lier. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Vous pouvez maintenant entrer. Vous devez laisser les péchés derrière vous. Vous laissez le joug derrière vous. Vous pouvez laisser la condamnation derrière vous. Vous pouvez laisser Satan, l'accusateur des frères, derrière vous. Et Satan ne peut plus vous parler. Satan ne peut plus vous parler. Satan ne peut plus vous parler. S'il parle, vous n'allez pas l'écouter parce que la porte de la justice est ouverte.
La porte de la justice est ouverte. Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix. Maintenant, vous êtes affranchi. Maintenant, vous êtes affranchi. Maintenant, vous êtes affranchi. Vous êtes affranchi du châtiment du péché. Vous êtes achanti. Vous êtes affranchi de la puissance du péché. Vous êtes affranchi du joug du péché. Vous êtes affranchi de la condamnation du péché. Vous êtes affranchi de la puissance des ténèbres. Vous êtes affranchi de Satan qui fait les choses mauvaises dans le royaume des ténèbres. Vous êtes affranchi de toute alliance que vous aurez faite dans une société secrète. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. La femme juste, l'homme juste entrera. Entrez maintenant. Seigneur, j'entre. Seigneur, j'entre. Seigneur, j'entre. Ma culpabilité est ôtée. Ma condamnation s'en va. Mon oppression s'en va. Toutes mes attaques s'en vont. Toute l'affliction s'en va. Toute la malédiction s'en va. Tout s'en va. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez dire gloire à Dieu. Je suis sorti des ténèbres. Et maintenant, je suis dans le royaume du Fils de son amour. Mes péchés sont pardonnés. Non seulement ça, j'ai la rédemption. Non seulement ça, j'ai la rémission de mes péchés. Et alors, Dieu n'a plus le rapport sur mes péchés. Croyez, recevez, réussissez-vous. C'est fait. C'est fait. Si vous avez un jour, dites au Seigneur, tenez-vous debout et quittez le jour. Y a-t-il une affliction? Tenez-vous debout et partez. Y a-t-il une maladie terrible? Tenez-vous debout et éloignez-vous de cela. Y a-t-il une œuvre du diable? Y a-t-il une déformation? Tenez-vous debout et quittez cela. Au nom de Jésus, nous prions que le peuple affranchi de Dieu, le peuple délivré, racheté de Dieu, dise amen. Je suis affranchi, où êtes-vous? Je suis affranchi, où êtes-vous? Je suis délivré, où êtes-vous? Toutes mes oppressions sont ôtées, où êtes-vous? Mes péchés sont pardonnés, où êtes-vous? Je suis transporté. Je suis transporté. Je suis transporté. Je suis transporté du royaume des ténèbres dans le royaume de lumière du Fils de son amour. Si vous croyez cela, où êtes-vous? Si vous êtes debout sur cela, où êtes-vous? Nous allons maintenant prier pour confirmer votre liberté, pour confirmer votre délivrance. Rappelez-vous, rappelez-vous. Y a-t-il un jour une oppression? Il faut vous lever et vous en allez. Vous n'êtes plus condamné. Votre salut est sécurisé au nom de Jésus. La liberté est aussi certaine que tout au nom de Jésus-Christ. Toujours des ténèbres, des puissants des ténèbres est brisé cette nuit. Cette nuit, Dieu mettra un témoignage dans votre bouche. La paix de Dieu sera dans votre âme. Et la joie du salut sera dans votre âme. Et il y aura la délivrance totale, une domination totale dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Levez la main au Seigneur. Père, au nom de Jésus, nous te remercions parce que la croix de Jésus-Christ, la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous à la croix du calvaire, cela supprime toute malédiction. Je prie que toutes les malédictions, que toutes les condamnations soient ôtées au nom de Jésus-Christ. Ce pardon que tu as acquis pour tout le monde, je prie, comme ils se lèvent et s'en vont de leurs péchés, je prie que l'assurance du pardon leur soit accordée maintenant au nom de Jésus-Christ. Non seulement le pardon accorde la rémission de leurs péchés, que dans le livre, dans le registre de Dieu, que tous les péchés soient effacés de leur mémoire, que tu effaces cela du livre du registre de Dieu et que tu leur donnes la puissance qui supprime la malédiction dans leur vie au nom de Jésus-Christ.
Je prie pour tout le monde maintenant parce que Jésus-Christ est mort pour eux. Il a ouvert la porte de la justice. Je prie que tout le monde entre maintenant, que tout le monde passe par cette porte de justice au nom de Jésus-Christ. L'assurance du salut, la joie du salut, la victoire du salut, la puissance pour mener une nouveauté de vie soit accordée à tout le monde au nom de Jésus-Christ. Maintenant, toutes les conséquences du péché, tout est supprimé. La malédiction dans une vie, je commande que la malédiction, le joug et les attaques soient brisées au nom de Jésus-Christ. Toute maladie là-bas, toute infirmité, je commande que vous sortiez au nom de Jésus-Christ. Seigneur, maintenant je prie que tu touches les yeux des aveugles. Je commande que ces yeux aveugles s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont paralysés et boiteux, une main sèche, un pied plus court que l'autre, j'envoie la puissance de Dieu sur vous. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie maintenant pour tous ceux qui sont ceux qui sont opprimés ou maudits d'une alliance brisée. J'enlève la malédiction là. J'enlève la malédiction là. Et toute la douleur de la malédiction, les choses terribles qui vous sont arrivées à cause de la malédiction, je supprime tout de votre vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, affranchis tout le monde. Libère tout le monde. Je vous libère à la bénédiction. Je vous libère à la joie. Je vous libère au miracle. Je vous libère à la libération totale, à la délivrance, à la délivrance totale, à la domination totale au nom de Jésus-Christ. Paix le témoignage dans chaque bouche. Confirme le miracle dans chaque vie. Parle de tout ceci, cette joie du salut, la victoire, la domination du salut, que cela demeure dans leur vie en permanence au nom de Jésus-Christ. Je te remercie parce que je sais que tu m'as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Et que le peuple de Dieu dise. Et que le peuple de Dieu dise. Amen. Faites.